Caroline, elle a remonté le temps aussi. Ah oui, c'est vrai, elle est avec papa. Regarde, j'en suis sûr que c'est elle. Mais c'est un chat. Toi, t'as bien changé de père. Elle, elle a peut-être changé de race. Et toi, tu me connais pas, mais dans un autre univers, c'est moi ton maître. Pourquoi tu l'agresses? Je sais pas. Si c'est toi, Caroline, sache qu'on te connaît aussi. On voudrait savoir si t'as remonté le temps. Vous parlez vraiment à un chat, là? Eh, qu'est-ce que tu veux, toi, tête de... Non, non, on dit pas ça, on dit pas ça. Y'a des enfants qui regardent. Quel langage grossier, j'en ai trop vu. Du coup, toi, est-ce que tu as remonté le temps? Eh, vous m'avez même pas reconnu. Bah, c'est la voix de Caroline. Oh, il est là. Vous êtes débile ou quoi? Les chats, ça parle pas. Mais toi, tu parles. Bah, je ressemble à un chat. Non. Mais tu te souviens de tout? Bah, bien sûr. J'ai une mémoire d'éléphant. Je remontais le temps, je suis reparti, je remontais le temps, je suis reparti. Ah, on pouvait? Bah, il fallait juste appuyer sur le bouton rouge. Ah oui, c'est vrai, ça. Et j'ai vu des choses pas très nettes. Sérieux? Ouais, c'était digne d'un film d'action. Allez, dis-nous tout. Je sais pas si je peux vous faire confiance. Bah, tu nous connais. Ouais, mais pas dans cet univers. Ça se trouve, vous voulez juste me bouffer. Et me mettre dans le four. Mais ça va pas ou quoi? Ah! Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu mal d'un coup au cou. Qui m'a lancé une fléchette dans le cou? Jean-Bernard! Jean-Bernard!